autorisé. Et le Proche-Orient, le nombre d'abords augmente chaque jour. Il y a 55 palestiniens, dont 13 enfants, qui sont tués dans les raids aériens et les tirs de chars. Et 7 soldats israéliens intégralement périssent. En Ukraine, les séparatistes pro-russes ont remis la dernière à des responsables de mal d'État, ou deux bâtiments de la zone de la semaine dernière. Thank you.